vise l'autonomie. Sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie. Salut les enfants. Alors aujourd'hui, ça va être nettoyage du puits. Alors ça va être la petite mission avec le harnais, baudrier, tout ça, le cordage pour descendre et enlever toute la vase parce que il y a une très très grosse épaisseur de vase pour nettoyer ce puits. Voilà, et créer tout ce système d'irrigation et tout le bazar. Donc là, c'est parti. Alors, on a commencé déjà par envoyer ce seau là en mettant des bougies à l'intérieur parce que forcément fallait vérifier qu'il n'y ait pas trop de CO2 et de l'oxygène. Donc du coup, bah, en fait on a descendu le seau à 2 mètres de profondeur et les bougies se sont éteintes. Donc mauvaise nouvelle, on s'est dit bon, comment on va faire? Alors du coup, notre copain Marcel nous a apporté une super solution. Vous voyez ce tuyau bleu là? Et bien en fait c'est le tuyau du compresseur. Donc on a mis une petite douille au bout, de façon à ce que l'air puisse s'échapper sans le pistolet, être obligé d'appuyer sur le pistolet. Et donc on a allumé le compresseur et on a laissé pendant 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, mettre le compresseur, mettre de l'air dans le fond du puits. Donc on a redescendu des bougies, on a pu descendre jusqu'en bas, donc parfait, les bougies ne se sont pas éteintes. Puis on avait posé cette échelle. Donc là, il y a une bonne dizaine, voire 12 mètres de profondeur. Donc on a tendu après ce petit cordage-là, avec le baudrier, et puis ce système de sécurité. Donc en fait, il y a juste à lever, et ça descend. Et une fois que cette espèce de crochet-là est vers le bas, et ben vous pouvez tirer dessus vers le bas autant que vous voulez. Ça ne se décroche pas. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Ouais, ce seau de merde. Sympa. Oui, elle est bien agréable. On croit à la graisse du filtre à paille de la phytoépuration. Oh.
C'est froid. Ça va mieux? Bon, j'ai réussi à m'enlever la lame d'or. Ouais. Les grosses chaleurs, hein, je vous le dis. Merde, j'ai réussi à m'emmêler dans ce bordel. Attends, sinon, je peux débrancher l'échelle plus grand. Ouais. Comme ça. Ça, ça tient ou pas? Attends. Attends, bouge pas. Je vais la jouer au fond. Ah bah oui. Ça, c'est par là. Vas-y, décroche. Ouais, je pensais. Ok, la mission puits terminée pour aujourd'hui. Bientôt il y a de l'orage, alors on va s'arrêter là. Alors les impressions d'aller au fond du puits, c'est plutôt cool, hein. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, c'est un peu de pression, un peu de stress et tout, c'est vraiment sympa. Il fait froid, il fait très froid, l'eau est, je sais pas, peut-être à 5-6 degrés. Quand tu respires, ça fait de la vapeur. C'est, ouais, c'est plutôt une bonne expérience. Assez stressante, mais c'est plutôt cool. Et ouais, le froid, quoi. Le froid, il est vraiment très, très sanglant, quoi. Donc, c'est vraiment cool. Voilà, bon, faut prendre les sécurités qu'il faut, c'est important. Mais voilà, expérience réussie et très satisfaisante. Allez, ciao les enfants. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie.